pour vous remettre un petit peu en tête ce que c'est que les autoconférences. Pour ceux qui n'auraient toujours pas vu, ça peut arriver. Donc, déjà, ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vu, vous sortez. Déjà, c'est marrant, il y a ce mousse. Donc, pour vous remettre un peu dans l'ambiance, on a une bande-annonce du spectacle pour resituer tout ça. C'est parti pour la bande-annonce de l'exoconférence. Commencer à nous visiter à partir du moment où nous avons atteint le niveau technologique suffisant pour déclencher une catastrophe nucléaire. La vie ailleurs était envisagée. Les extraterrestres ont réussi l'incroyable et même impensable exploit du voyage interstellaire. Ils sont parvenus à franchir des années-lumière de distance. En revanche, point de vue pilotage, ils font des conneries comme nous. Il roupille au volant, il loupe des créneaux, et de temps en temps, il se viande. Voilà. Oh, c'est dommage quand même. Non, ça va bien maintenant. Les gens n'ont pas de temps pour vos histoires. Vous leur dites soucoupe, voilà, c'est efficace. Hey, colonel Dubuis. Tiens, vas-y, vitesse lumière. Non. Non, parce que là, le type à l'intérieur du cockpit, il passe directement du compte à rebours à l'état gazeux. 3, 2, 1, ignition. Ah, on a perdu Jean-Mi. Merde. Oh. Mesdames et messieurs, c'est un tonnerre d'applaudissements à Alexandre Vasquier. Parler tout seul, ça serait trop facile. On a donc invité deux contradicteurs. On va commencer par monsieur Xavier Passot, qui travaille au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Donc c'est vraiment très sérieux. Il est surtout responsable du GEPAN, le groupe d'études d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et notre troisième invité, vous le connaissez très certainement, c'est Bruce de Y Penser. Un peu banal pour commencer un débat, je suis désolé, c'est moi qui vais m'y coller. Alexandre, ah, ça c'est vrai qu'il y a des chaises de pourri hier. Alexandre, pourquoi tout simplement avoir décidé de consacrer un spectacle entier à la question de la vie extraterrestre? Je crois que la vie extraterrestre, comme deux ou trois ou quatre sujets dans ma vie, était un truc qui me passionnait. Et en fait, écrire une pièce ou écrire un film ou écrire une série, c'est aussi, au-delà de l'œuvre qui va en sortir, l'occasion de le travailler. L'occasion de le travailler plus que comme un amateur, l'occasion de le travailler avec des spécialistes comme Xavier qui a eu la gentillesse de m'aider pour la pièce, de faire des études poussées parce qu'en fait ça fait partie de l'œuvre que tu vas faire et que du coup ça te permet de plonger dans un sujet comme certainement tu ne l'aurais jamais fait si tu avais eu un métier et que tu dois le faire en dilettante. Là, ça me permet de plonger dedans. Alors évidemment, le fait de plonger dedans, j'y ai trouvé autre chose que le fantasme que j'en avais avant d'écrire. Et donc, le spectacle qui en est sorti, c'est pas celui que je pensais écrire avant de m'y mettre. Voilà. Mais c'est comme ça. Exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les bonus du DVD. Tu expliques justement que tu as totalement
connaît pas totalement, mais qui a vraiment changé d'opinion sur, sur ce sujet, notamment sur la recherche scientifique sur ce sujet. Ben, en fait, moi je crois que j'étais comme beaucoup de gens qui aiment cette mythologie-là, parce que c'est vrai qu'elle est belle, parce que ça donnait des super beaux films, parce que ça donnait des super beaux livres, et puis parce que tout simplement, je pense que c'est important que ce soit dans le cœur pop de ta culture, quoi. Le truc, c'est que je me demandais toujours pourquoi les scientifiques, quand on leur disait, enfin, les visites extraterrestres, la possibilité que les extraterrestres viennent chez nous, tout ça, en fait, ils disaient, ils ne voulaient pas te l'envoyer dans la gueule parce qu'ils sont bien élevés, généralement, mais ils répondaient avec un petit sourire, un peu genre, ouais, on parle d'autre chose, quoi. Et ça m'énervait, ça, je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Donc je suis allé les voir de plus près, les gens de l'Observatoire de Paris, les gens du CEA, et en fait, j'ai compris ce que c'était, ce petit sourire. C'est celui que j'ai moi maintenant, quand on en parle. J'ai rien d'autre à répondre que genre, voilà. Donc j'ai été chercher pourquoi est-ce que scientifiquement, avec les observations qu'on connaît, c'est assez compliqué d'envisager la thèse de la visite extraterrestre. Parce que tu détestais les envahisseurs à l'époque, David Vincent et tout ça, et t'as voulu te venger, c'est ça? Mais non seulement non, mais en plus je crois que Rencontre du troisième type est un de mes films préférés. Suffisait de le préciser. Donc. Voilà, mais ça reste un de mes films préférés. Mais je le range ailleurs. Monsieur Vassot, donc vous travaillez au CNES, et donc dans un département du CNES qui s'appelle le Chépan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit, le fait qu'on est bien d'accord, c'est une véritable recherche scientifique, c'est pas une association de fondue qui se retrouve le dimanche, c'est sérieux tout ça, ça existe vraiment. Voilà, alors le GEPAN, qu'est-ce qu'on fait? On analyse des témoignages de personnes qui ont vu des phénomènes surprenants dans le ciel. Notre mission n'est pas la recherche de vie extraterrestre, de témoignages extraterrestres, hein. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, notre mission, c'est juste de détecter si parmi ces témoignages-là, il y a des choses vraiment très préoccupantes, ou je dirais très dérangeantes. Voilà. Donc on analyse des témoignages, il y a ceux qui sont bien expliqués d'un côté, ceux qui ne sont pas ou mal expliqués de l'autre. Et par rapport à la conclusion du spectacle, qui est a priori une très grosse impossibilité de la vie extraterrestre, si j'ai bien tout compris. Attention. De la présence extraterrestre. De la visite extraterrestre chez nous. Certaines, à mon avis, et c'est un avis vraiment hyper personnel avec ce que je pense, et je ne suis pas tout seul à. Voilà. Je pense que l'univers, à mon avis, fourmille de vie, certainement. Vraiment partout. La possibilité qu'ils viennent nous rendre visite, c'est un truc que je mets en doute dans le spectacle. Et donc voilà, donc à partir de cela, M. Passot, est-ce que vous partagez ça? Est-ce que du coup ça vous déprime pas par rapport à votre travail ici, si c'est vraiment le cas? Alors nous, on est très en retrait un petit peu de tout ça. Hein. D'une part, la recherche de vie extraterrestre, elle se fait bien, et le CNES y participe par le biais de la collaboration avec les astronomes du programme-là. Et nous, on n'en est pas encore à même cette suspicion, parce qu'on n'a pas encore trouvé de cas suffisamment dérangeant pour être, ne serait-ce que pour se poser la question de façon très préoccupante. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages inexpliqués, mais de là à penser que c'est des visiteurs extraterrestres, bon, voilà, entre un point lumineux inexpliqué et un visiteur extraterrestre, il y a un monde qu'on ne franchit pas. Voilà. Bruce, vous êtes aussi un vulgarisateur scientifique, mais pensez-vous qu'on peut traiter de façon aussi scientifique la question de la vie extraterrestre? Alors je pense qu'on peut, et je pense que c'est la bonne façon de le faire. C'est là où moi je vois bien l'intérêt d'un organisme comme le GEPAN. Et je pense que même si, sans se poser la question des extraterrestres, je pense qu'il y a un côté sans doute, alors pas tout le temps, mais très souvent, il doit y avoir un côté très excitant à traiter des questions. Justement, voilà un témoignage, on a le relevé du radar qui montre quelque chose qu'on n'explique pas. Il y a un côté mystérieux, et avec tous les outils scientifiques à disposition pour essayer de comprendre ce que c'est. Et alors, est-ce que ça peut être un avion? Est-ce que ça peut être un phénomène climatologique? Est-ce que ça peut être l'appareil photo qui a pris la photo qui a un problème? Je pense que tout ça, c'est fascinant. Et le meilleur outil pour ça, c'est la science. À ma connaissance, c'est la seule façon méthodique de traiter la chose. Et justement, tous les deux, Alexandre Desgrosses, qui fait
finalement un peu le même métier via cette conférence. Qu'est-ce que vous pensez des vulgarisateurs qui vendent carrément du rêve, voire de l'improbable? Où se situe la limite entre la vulgarisation et le n'importe quoi? Je ne sais pas si ça a un rapport, en fait. Il y a une manière non scientifique d'envisager les choses qui est « je ne sais pas, donc je vais remplir le vide ». Et le cerveau humain remplit le vide. Il y a un mec extraordinaire qui s'appelle Neil deGrasse Tyson qui explique que les bouquins qui s'appellent « Les illusions d'optique », les bouquins qu'on s'offre, qu'on offre aux gamins, en fait, le vrai titre, ça devrait être « Les échecs du cerveau ». C'est ça, exactement, qu'une illusion d'optique. C'est le cerveau qui n'arrive pas à déchiffrer ce que vous voyez. Le scientifique, quand il ne sait pas, il s'arrête là où il ne sait pas. Il fait des spéculations, il émet des hypothèses qui vérifient ou non. Mais son métier, c'est de dire « je ne sais pas plus loin que ça ». Moi, j'ai pris l'habitude maintenant, comme un réflexe, de repérer les gens qui remplissent un vide avec quelque chose qu'ils aimeraient y voir et surtout ne pas laisser le vide. Il y a des gens que le vide gêne, dérange. J'adore, moi, personnellement, pour ma vie de tous les jours, et je pense que Bruce aussi, j'aime la phrase « je ne sais pas ». Elle me fait du bien, je l'aime, je veux vivre avec, elle me fait beaucoup de bien. Il y a des gens, ça les angoisse un petit peu, donc ils remplissent ces choses. Le phénomène extraterrestre est une manière de remplir. La mythologie est une manière de remplir ce vide, qui date des années 45, 6, 7, peut-être un peu avant pour certains trucs. Pardonnez-moi, je ne veux pas choquer, mais Dieu a été et est toujours une autre façon de remplir un vide. Je préfère faire partie des gens qui disent « je ne sais pas, donc je ne sais pas », c'est tout. Et moi, je voudrais avoir ton et votre opinion sur d'autres vulgarisateurs, comme par exemple, au hasard, on en a parlé ici, pas plus tard qu'hier, avec un bouquin, une émission qui s'appelait « Temps X » et qui mélangeait l'imaginaire, la science-fiction, la prospective scientifique, avec deux jumeaux qui étaient à la tête de cette émission. Cette prospective... Deux jumeaux? Oui. Ah pardon, pas des jumeaux, ben oui, deux vrais jumeaux. Une paire de jumeaux. Une paire de jumeaux, oui, oui. Et non pas des jumelles. Non, j'essayais de voir, parce que je vois pas comme ça, qui, comme jumeaux, pouvait faire une émission comme Temps X, ça me... Oui, moi aussi ça me paraît un peu. Non, je vois pas. Bon, ouais, d'accord. Mais... Est-ce que tu penses que ce genre de vulgarisation-là, qui mêle l'imaginaire et le réel, enfin, tente de mêler le réel, a une valeur auprès des gens, ou est-ce que ça nourrit cette idée justement qu'il y a un imaginaire et qu'en fait tout ça n'est pas très scientifique? Je pense que, je sais pas, il faudrait demander l'avis à Xavier de parents. Mais c'est à vous trois que... Très récemment, pardon, je sais pas si vous avez entendu parler, il y avait une étoile qui s'appelait KIC, je ne sais pas combien de chiffres derrière. On a soupçonné, donc, mais assez officiellement, quand même, il y a eu des communiqués de la NASA, des propositions, des choses comme ça, que les structures qu'on voyait en translation autour de cette étoile ne pouvaient être autre chose que des structures extraterrestres, c'est-à-dire ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire une manière de récupérer l'énergie d'une étoile entière, qui est un procédé technologique imaginé par nous. C'est-à-dire que quand on regarde l'espace et qu'on imagine ce qu'on ne comprend pas, on y voit non seulement des extraterrestres, mais des cousins. C'est-à-dire des gens qui ont une technologie, une avancée sur la technique, ça veut dire qu'ils ont eu leur Newton, ça veut dire qu'ils ont eu leur Einstein, ça veut dire qu'ils ont eu, ils sont passés par toutes les étapes qui nous ont conduits, nous, à une civilisation technologique. Et du coup, personne n'a pensé à dire que comme elle est à 1480 années-lumière de nous, on voyait une image qui datait de 15 siècles, que si jamais on leur envoyait un message, ils mettraient 15 siècles à l'époque, et que, en fait, ça peut être, selon une confrère de Xavier à l'Observatoire de Paris, des milliards d'autres choses qu'une structure extraterrestre. Donc, il y a aussi un phénomène d'appel de la part de la NASA même. Il y a une manière de dire, on a découvert un truc fou, on vous le dit jeudi. Mercredi, on dit, attention, ça va être dingo. Et le jeudi, c'est « on a trouvé de la saumure sur Mars ». Qu'est-ce que vous appelez de la saumure? Ben, c'est de l'eau et du sel. Mais vous n'aviez pas dit il y a deux ans qu'il y avait de l'eau salée sur Mars? Si, mais là, on dit que c'est de la saumure. Très bien. Et vous voulez combien, du coup? Parce que c'est toute une histoire de pognon, Xavier, je me trompe ou pas? Il y a une histoire de budget, quand même. Et derrière, il faut souvent corréler ça avec des votes au budget américain, oui, tout à fait. Donc, il faut se méfier quand on dit qu'on a trouvé de l'eau, trouvé des extraterrestres, trouvé machin. Généralement, une semaine après, il y a un budget qui se vote. Non, c'était de l'eau, les gars. Moi, je clash la NASA. Les mecs les attendent. Ah, ils peuvent venir, FBI et compagnie, je suis prêt. Badass. Alexandre, Bruce, vous pensez que, justement, de traiter ça avec, comme on vient de le faire là à l'instant, un peu d'humour et de décalage, les choses passent mieux?
tout ce qui est scientifique passe mieux si on le traite de cette façon-là? Bah, carrément. Selon moi, il y a plusieurs façons d'aborder la science. Mais alors je ne sais pas si c'est typiquement franco-français, je ne sais pas si c'est francophone, je ne sais pas si c'est dans le monde entier. Les gens ont cet a priori que la science, c'est chiant. Que la science, c'est mécaniquement des mathématiques derrière, que c'est des équations, qu'on n'y pige rien, que les scientifiques qui bossent dans les choses les plus complexes disent « j'y pige rien, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de bosser ». Et donc, c'est vrai que pour le coup, les bonnes façons d'approcher ça, quand on ne veut pas en faire son métier à minima, c'est de dire « voilà, il faut l'aborder avec légèreté, mais avec sérieux en même temps ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de la vulgarisation en disant des choses marrantes, mais en restant vraiment à la surface de la surface. Et les objets tombent, pourquoi? C'est la gravitation. LOL. C'est... Ok. Non, moi j'aime bien ça, c'est pas mal. Voilà. On va le garder. Lui, ça suffit. Et je crois aussi qu'il y a une petite tendance à faire partie de tel ou tel groupe de pensée en France. Mais faire partie de tel ou tel groupe de pensée scientifiquement sur des phénomènes qui nous intéressent certaines choses, mais ça devient aussi géopolitique. C'est-à-dire quand on regarde les infos, il y a ceux qui pensent beaucoup de choses. Et je crois quand même que le travail d'essayer de se faire sa propre idée. On n'est plus il y a 50 ans maintenant, il y a un truc qui s'appelle Internet, se faire sa propre idée, même s'il y a beaucoup de choses fausses sur Internet, il y a aussi beaucoup de choses vraies sur Internet. Mais en fait, sur le panel de choses qu'on peut regarder, on peut se faire sa propre idée, pas simplement s'arrêter au truc, par exemple. On peut parler deux secondes du fait qu'on mette sérieusement en doute les missions Apollo. C'est-à-dire qu'il paraîtrait qu'on ne soit pas allé sur la Lune. Bah, évidemment que non, on n'a jamais été. Ça, par exemple, ça devient plus, quand les gens en parlent sur Internet, c'est plus une histoire de « je crois qu'on est allé sur la Lune ». C'est même pas une histoire de « je ne crois pas qu'on soit allé sur la Lune », c'est « est-ce que mon identité me demande de faire partie du groupe qui croit pas, du groupe qui croit ? Qui je veux être dans la vie ? Je veux être le mec qui dénonce le mensonge dont on est victime depuis 50 ans ? Ou est-ce que je veux être le mec qui accepte de croire ? C'est qu'une histoire d'identité. Si on se penche vraiment sur le fait de savoir si on est allé sur la Lune, on est allé sur la Lune. Il n'y a aucun problème, c'est facile de vérifier. Je me trompe, Xavier ? C'est pas très difficile de vérifier qu'on y est vraiment allé. Voilà. Mais si Xavier me dit qu'on n'y est pas allé, Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas risquer de passer pour des cons en se rendant compte a posteriori qu'ils faisaient partie du groupe à qui on a menti et qui ont été dupes. Moi j'ai vu passer il y a une semaine une vidéo d'un mec qui m'a envoyé ça en disant qu'est-ce que t'en penses, c'est quand même intriguant. C'est, déjà quand ça commence comme ça, c'est mal barré. Et c'était une vidéo qui expliquait qu'en fait le 11 septembre, donc il n'y a pas eu d'avion du tout. Non, ils ont été rajoutés en image de synthèse. Et il y avait un gars, le mec qui avait cette thèse, on lui dit mais les milliers de témoins. Quel millier de témoins? Montrez-moi un témoin. Il y a monsieur machin, travaillait au World Trade Center. Bah oui, enfin, d'un autre côté, lui, il était bien placé pour le voir, l'avion. Oui, mais il était au courant. Ah, c'est la preuve. Et il y a souvent ce côté-là. Et ça tourne, et on a beau débunker, expliquer que c'est faux, expliquer que la Terre plate, ça tourne continuellement. L'histoire de Opération Lune. Donc pour ceux qui ne connaissent pas donc Opération Lune, c'était une vidéo qui avait été faite qui montrait qu'en fait l'homme n'avait jamais marché sur la Lune, que c'était Stanley Kubrick qui l'avait tourné dans la zone 51 en Nevada pour la NASA, que c'est pour ça qu'il avait fait 2001, pour montrer la faisabilité technique de la chose. Et cette vidéo, donc qui est un documentaire, se termine par « bah en fait, pardon, c'était un poisson d'avril, lol ». Et sur Internet, on retrouve l'intégralité du film sans le « pardon, c'était un poisson d'avril ». Et ça tourne. La meilleure version de cette histoire que je connais, c'est que Stanley Kubrick était tellement perfectionniste qu'il a tenu à vraiment tourner sur la Lune. C'est pas de moi. C'est vrai. Xavier Passot, on a parlé justement de la vulgarisation par l'humour, mais on n'a pas eu votre avis à vous. Est-ce que selon vous, c'est la meilleure méthode justement de faire passer votre travail? Alors, je pense que c'est la meilleure, en tout cas c'est une très bonne méthode. Voilà. Ce que je regrette, moi, c'est que nous, au GEPAN et au CNES, on n'a pas beaucoup d'humour. Donc on y arrive assez mal. Bah, non, mais ils ont autre chose à faire. On a besoin de se faire aider là, pour ce genre de choses. Voilà, c'est vrai que, bon, avec le titre CNES, si vous voulez, on a quand même une image de sérieux, une image de barbare quand même, quelque part. Hein. On a du mal à faire passer des messages scientifiques pourtant assez basiques. Hein. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que je reçois quelquefois des témoignages de gens qui ont
l'expérience d'observation du ciel qui me concerne. Donc ils m'ont dit, mais la Lune, elle se lève et elle se couche à l'est. Voilà. J'ai vu un point de lune, j'ai vu un croissant à l'ouest, ça ne peut pas être la Lune, parce que la Lune, moi je la vois de l'autre côté de la maison. Voilà. Alors, ça me gêne quand même, c'est pas une histoire de maths et tout, hein, c'est juste une histoire d'observation, de savoir que le soleil se lève d'un côté, se couche de l'autre, ça va pas très très loin. Voilà. Mais déjà, si on a tout ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc la vulgarisation scientifique, il faut vraiment en faire beaucoup. Et intéressez-vous à la science, c'est largement aussi intéressant que la télévision, pas à la science, mais voilà, à la nature, hein, l'observation du ciel avec vos propres yeux. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Si tous les habitants de la Terre d'aujourd'hui connaissaient autant de ciel que nos ancêtres il y a 3000 ans, déjà, ça serait pas mal. Aujourd'hui, on n'en est même pas là. Donc, vous faites la science de quand même assez bas niveau. Hein. Donc voilà pour la vulgarisation scientifique. Donc il faut en faire. L'humour est un moyen fantastique pour le faire, pour rendre ça aussi excitant que la télé. Et dans l'absolu, ça l'est plus. Et voilà un peu mon point de vue. Dans le spectacle d'Alexandre, dans les autres conférences, est-ce que le raisonnement, la progression logique, est-ce qu'elle est similaire à vous dans votre travail à la recherche scientifique? Alors moi, le spectacle d'Alexandre m'a scotché parce que le contenu scientifique est irréprochable. Alors la démarche, la progression, bon, ça c'est pas forcément dans l'ordre, mais la vision est extrêmement pertinente. Et en même temps, je suis là, donc s'il pensait que c'était de la merde, est-ce qu'il le dirait? On ne sait pas. Non, mais je rebondis sur ce que disait Xavier sur une chose. C'est vrai qu'on a un très... Moi, je ne suis pas scientifique, je suis musicien. Ma formation, c'est la musique académique. C'est-à-dire le classique, j'ai commencé à 6 ans, je suis sorti à 20, j'en ai eu jusque-là. Et je suis évidemment atterré par le niveau musical de monsieur et madame tout le monde en France. Monsieur et madame tout le monde qui n'a pas fait de la musique son métier, ou en tout cas un bon amateurisme, est très mauvais. On lui demande de chanter la Marseillaise, c'est odieux. Donc, Xavier parle de la même chose pour le niveau minimum scientifique de monsieur et madame tout le monde par rapport au ciel. Juste, le ciel, on est là, on est quand même dessous tous les jours. Il y a quand même deux, trois bricoles, à savoir très simple, ce que c'est que les points cardinaux, comment le ciel tourne, l'étoile polaire parce que ça brille autour, des petites bêtises comme ça. Il y a quand même un grand phénomène UFO qui est débunké depuis longtemps. C'est quand même, je crois, un flic de Chicago qui a poursuivi pendant plus de 3 heures en bagnole un ovni. On lui a dit, monsieur, c'est Vénus que vous poursuivez. Pas du tout, dit-il, puisque ça fait comme ça dans le ciel. Oui, parce que vous êtes sur une route sinueuse. C'est vous qui tournez. Et le mec... Qu'est-ce que tu veux dire après? Ah, pardon. C'est vrai. Ben non, le mec a dit, non, mais vous me prenez pour qui? Vous croyez que j'ai confondu un ovni avec Vénus? Oui. Xavier, est-ce que c'est pas un des trucs qui arrive le plus souvent avec Vénus? Eh ben, c'est bien, ça arrive aussi avec la Lune aussi, mais ça arrive Vénus, ça arrive avec la Lune. Et avec la Lune? Je vais vous raconter un sketch qui m'est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Un sketch qui m'est arrivé il y a 15 jours. J'espère que le spectateur n'est pas dans la... Le témoin n'est pas dans la salle, sinon tant pis pour lui. Il n'avait qu'à apprendre. Ce témoin me fait un rapport d'observation et il me met une photo, de assez bonne qualité d'ailleurs, sur laquelle je vérifie que c'est bien Vénus qui l'a vu, on voyait bien les étoiles qui étaient autour, il n'y avait absolument aucune espèce de doute. Je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui dis, monsieur, vous avez vu Vénus? Il rigole. Ah, ah ben, bien bonne maintenant. Ah ben, Vénus, maintenant, il descend à l'altitude des nuages. Voilà. Tout ça parce qu'il l'avait vu au ras de l'horizon, effectivement, entre deux nuages. Donc, il avait pensé que c'était entre deux nuages. Alors je lui dis, bah oui, c'est comme la Lune et le Soleil, tous les matins et tous les soirs. Là, j'ai eu un plan, en fait, pour le téléphone. Voilà. Alors voilà notre quotidien. Et nous l'avons retrouvé. tout n'est pas comme ça. J'aime pas en rigoler parce que ça dérange quelque part. J'aime pas moquer les gens. Mais c'est juste pour mettre un point sur la méconnaissance basique qu'ont beaucoup de nos concitoyens contemporains, même, sur ces phénomènes tout à fait naturels.
et sur quelque part aussi la méfiance qu'on a vis-à-vis d'organismes comme les nôtres. Si les gens ne veulent pas nous croire, qu'ils ne nous croient pas, qu'ils ne nous consultent pas, ça ne gêne pas. Mais s'ils nous demandent notre avis, bah, qu'ils l'écoutent. Et il y a l'inverse aussi, j'ai juste une toute petite récolte. J'avais déjà travaillé avec Xavier pour le spectacle, et Xavier m'avait parlé du fait que beaucoup d'erreurs, en tout cas d'appels qu'il reçoit, sont dues aux fameuses lanternes thaïlandaises. C'est-à-dire les lanternes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des espèces de trucs en papier, avec en papier orangé, vous mettez une bougie à l'intérieur, la bougie chauffe l'air, l'air plus léger, ça monte, et on en lâche comme ça pour les mariages, pour les fêtes, pour les trucs. Alors des fois 3 ou 4 quand c'est dans un jardin, enfin des fois 50, 100, 300, jusqu'à 300. Il ne faut pas avoir grand-chose à foutre, mais bref, ça c'est bien plus long, on n'a rien à foutre. Alors, j'étais allé voir Xavier, il m'avait expliqué cette histoire de lanterne. Comme je vous le disais, j'essaye de faire partie modestement des gens qui ont un esprit critique et qui essayent de ne pas remplir le vide avec des conneries. Même en sachant tout ça, je suis sur l'autoroute de nuit avec mon épouse à côté, et j'arrive, effectivement c'était des lanternes, j'ai failli avoir un accident, vraiment. Parce que des lanternes qui sont lancées par 10, 20, 30, en fait, elles se suivent dans le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, elles volent à la vitesse du vent, donc toutes à la même a priori. Et comme elles ont été lâchées à intervalles réguliers, elles font une ligne parfaite. Mais comme vous, dans le noir, vous ne pensez pas que c'est des lanternes. Vous pensez, votre cerveau remplit le vide, c'est-à-dire qu'il crée une calandre autour des lumières. Et cette calandre, en fait, elle peut faire 2 km, 3 km, 5 km de long. Et j'ai eu un souffle comme ça, je l'ai montré à mon épouse, et on ne savait pas quoi faire. Et après, je me suis dit, voilà, je me suis dit, attends, lanterne. J. Anderson était là, Frank Spotnitz, un des co-créateurs, était là, il va y avoir de gros épisodes. X-Files, c'est toute la théorie des extraterrestres parmi nous depuis des années, depuis des siècles même. Est-ce que vous êtes impatient d'en trouver cette série? Ou est-ce que pour vous, après un spectacle comme l'Action Conférence, ça n'a plus d'intérêt de suivre X-Files maintenant? Ah non, moi je veux voir, moi. Ah, moi j'attends la 10e saison. Moi j'attends comme un dingue. Je vais pas dire que j'ai grandi avec X-Files parce que j'étais déjà un peu grand quand c'est arrivé. Mais fait pour moi, les X-Files, c'était la première, entre guillemets, vraie série slash feuilleton qu'il y avait à la télé. Après Twin Peaks, certes, mais Twin Peaks, de toute façon, ne rentre dans aucune catégorie. Mais donc, X-Files, moi, j'attends impatiemment. Mais pour le coup, voilà, ça reste de la fiction. Déjà, faut qu'on se fasse plaisir. Moi, j'aime bien Ancient Aliens. Parce que vous voyez ce que c'est une émission pseudo-docu. J'adore Ancient Aliens, c'est très inventif. C'est le truc sur la génération. Bah, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on n'a pas réglé, encore une fois, c'est une manière de remplir le vide, tout ce qu'on ne comprend pas, comment est-ce qu'on a monté les pyramides, comment le Machu Picchu on l'a monté parce que c'est dingue comme ça, c'est que tous les extraterrestres, ils sont venus, ils nous ont appris des trucs, ils sont barrés. Mais c'est hyper beau. Moi j'aime beaucoup, ça veut pas dire que j'ai besoin d'y croire, ça veut dire que ça me plaît de le voir, parce que je trouve ça inventif, vraiment. Monsieur C'est pas Dimitri Alban. Je n'ai aucune amitié. Écoute ce que je te dis. Dimitri, de son prénom Mitri, est attendu au QG. C'est combien? 4, soit. Enfin, il cherche les QG et va trouver son portefeuille. Ça se coupe et mal garé. Monsieur Passot, est-ce que vous faites partie du complot vous-même? Est-ce que c'est vous qui avez caché les preuves? Alors bien sûr, je ne vais pas vous le dire, putain. Je ne vais pas répondre. Ah, cette théorie du complot, là aussi, c'est formidable pour boucher les trous. Ça marche depuis longtemps. D'ailleurs, il y a toujours eu des complots, hein, déjà, depuis
plusieurs, c'est un truc qui a été inventé il y a plusieurs siècles, déjà la théorie du complot pour expliquer plein de trucs. Voilà. Bon, néanmoins, blague à part, dans ce milieu, dans ces affaires extraterrestres, il y a effectivement des rumeurs de complots, d'événements cachés, etc. Alors quand je suis arrivé au GEPAN il y a 4 ans, pour rien vous cacher, c'était quand même une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'aller au GEPAN, quand même, hein, de voir, mettre les mains sur les documents secrets, je me suis dit, il devait y avoir quelque chose de caché, quand même. Bon. J'ai quand même trouvé des documents tamponnés top secret. Non, pas top secret, secret, juste. Tamponnés top secret. Des documents des années 50. Je me suis dit, ça y est, voilà, enfin. Bon. Et je suis tombé sur des rapports d'observation de points lumineux lointains dans la campagne, qui étaient probablement la Lune ou Vénus, ou des choses comme ça, aussi simples. Mais à une époque où les militaires ne savaient pas trop ce que c'était, il y avait cette rumeur de trucs bizarres, c'était la guerre froide, ils pétochaient, et en fait, par principe, il y avait des consignes, hein, donc les gendarmes, tous les gendarmes de France avaient consigne de tamponner secret tous les rapports d'observation de trucs qui pouvaient ressembler à des ovnis. Voilà. Et donc de cette époque-là, ben, on a gardé la confidentialité, tout ça, et dans le... Mais aujourd'hui, la transparence maximum là-dessus, on garde secret les noms des témoins, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient emmerdés, ni par la média, par d'autres ufologues. Mais donc voilà le complot. Et donc je suis extrêmement déçu qu'au bout de 4 ans, j'ai pas grand-chose de croustillant à vous raconter. On est un petit comité, là, je vous le dirais si j'avais quelque chose de croustillant, mais pas grand-chose. Alors avant de passer aux questions du public, pour conclure, moi j'ai une petite question qui s'adresse à tous les trois, j'avais envie d'avoir votre avis. Finalement, en vous écoutant tous, en ayant vu le spectacle d'Alexandre, moi l'impression que j'ai au final, c'est que quand on s'intéresse aux extraterrestres, au final on finit par s'intéresser à nous, à l'humain, parce qu'on n'y voit que nos projections, nos fantasmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que je dis n'importe quoi? Est-ce que vous y voyez quelque chose de... S'intéresser à l'homme. Alors, à la perception de l'humain. Moi je mettrais juste timidement le doigt sur le fait que quand on imagine de la vie extraterrestre bactériologique, quand on imagine de la vie ultra primitive, c'est comme nos cellules, c'est comme nos molécules, d'accord. Mais quand on imagine une vie intelligente, supérieure, voire supérieure à nous, c'est des bipèdes. Ils ont deux bras, deux jambes. C'est-à-dire que la vision, la seule vision que nous sommes capables d'avoir d'une intelligence supérieure sont forcément des cousins, ne serait-ce que physiquement. Alors qu'on sait très bien que notre taille, notre forme sont directement liées à la gravitation qu'il y a sur cette planète, à la température qu'il y fait, à notre évolution, sachant que nous partageons notre planète avec les ornithorynques. C'est-à-dire que les ornithorynques sont là sur une planète, on se dit, il est fou cet extraterrestre, tu te rends compte de ce qui existe dans l'univers? Non, c'est là. Enfin là, pas là, mais enfin je crois pas, mais c'est en Australie, quoi. Si, c'est en Australie. C'est plutôt du côté de Perpignan, je crois. Perpignan, ouais. Et du coup, on est bien d'accord que déjà là, il suffit d'y voir une extrême prétention. Tout ce qui est intelligent, c'est comme nous. Bah déjà, il y a un problème. Il est évident que la vie, c'est Hawking qui dit ça. Hawking, il dit. L'univers regorge certainement de vie, mais est-ce qu'on se... C'est le même. Non, sa carte d'identité. C'était Dimitri Alban, le portefeuille. Donc Stephen Hawking dit l'univers regorge certainement de vie, mais est-ce qu'on serait capable, si on la rencontrait, de la considérer comme de la vie? Tellement les formes qu'elle pourrait prendre selon les contextes et selon les contingences pourraient être, je veux dire, il y a peut-être des êtres qui ne sont que lumière, des êtres qui sont comme ça, des êtres qu'on ne comprendrait pas, et des êtres qu'on considérait comme non vivants.
mais les voir avec deux pieds de jambe qui arrivent avec des machines en métal et qui se cassent la gueule, c'est-à-dire que les mecs, ils ont le crash aussi. Ils n'ont pas que la technologie, ils ont l'accident. Ils ont l'erreur humaine, ils vont choper l'erreur humaine aussi. Là, je pense qu'il y a un... il faut juste se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je me projette dans l'espace. Est-ce qu'on n'est pas en train simplement de remplir le vide comme on peut aussi, hein? Parce qu'il y a aussi ça, c'est simplement, c'est tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de ce qu'on appelle la vie. C'est, je crois, après avoir discuté avec quelques scientifiques, il y a une espèce de consensus pour dire que la meilleure définition de la vie, accrochez-vous, hein, c'est une diminution locale d'entropie. Voilà, donc ça veut dire que c'est difficile de regarder quelque chose et dire voilà, donc ça c'est de la vie, mais potentiellement dire diminution locale. En gros, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'organise de façon pas naturelle. Pour faire très simple, c'est ça de la vie. Mais il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de la vie dans du gaz. Alors effectivement, pas dans l'air, peut-être qu'on l'observe ici, mais je crois que c'était Arthur Clarke, pour le coup, il faisait vraiment des efforts dans ses bouquins pour imaginer, notamment dans Rama, il imaginait des formes de vie qui communiquaient par des signaux lumineux. Et il y avait, je ne sais plus dans quel bouquin aussi, mais imaginez carrément une forme de vie qui vivait sous la surface du Soleil, qui était purement gazeuse ou une forme de plasma, mais je veux dire, c'est pas plus con qu'autre chose. Et c'est sans doute beaucoup moins con d'imaginer que sur qu'en banlieue de Vega, il y a des types qui, en gros, à part le fait qu'ils ont le teint un peu gris, ben, ils sont comme nous, mais ils ont des gros yeux, c'est tout. Et ils sont chauds. Parce que quand on est très intelligent, on a un gros cerveau, on n'a plus besoin de cheveux. On se demande après qui a écrit ces trucs-là. Voilà, oui, sur cette question d'espoir de vie extraterrestre, l'expérience que j'ai au vu des centaines de témoignages que j'ai pu voir, c'est que on voit quand même que le ciel reste rempli de mystère. Même aujourd'hui, pour la majorité de nos contemporains, le ciel reste rempli de mystère. Alors, c'est sûr que pour des gens comme nous, dont le métier c'est le spatial et l'astronomie, le ciel a moins de mystère pour nous, ça nous paraît être notre monde. Donc ça c'est première chose. Deuxième chose, ce qui est important aussi, c'est savoir que cette question extraterrestre est très proche des questions religieuses. En fait, on est vraiment limite. Hein. Moi j'ai des rapports d'observation qui, à quelques, je changerai quelques mots, on pourrait penser que c'est des récits d'apparitions religieuses. Donc on touche le divin, et pour certains, on peut penser que les extraterrestres d'aujourd'hui sont les anges d'hier. Et là, ça en dit beaucoup sur l'humain. Et pour terminer, je voudrais signaler un film qui est sorti récemment sur les écrans, qui s'appelle The Visit, une rencontre extraterrestre, où on ne voit pas d'extraterrestres. Par contre, c'est un dialogue, c'est des questions qu'on pose à ces visiteurs qu'on ne voit pas, et ce film en dit en fait... énormément sur la nature humaine et sur nos questionnements, beaucoup plus que sur vraiment la question extraterrestre, qui je pense va rester ouverte pendant quelques années encore. Pour conclure cette session, on va avoir le temps pour quelques questions de vous, du public, que ce soit pour Bruce, pour Alexandre ou pour M. Passot. Normalement, il y a des micros qui vont circuler. Et je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a un micro, logiquement. Levez-vous si vous avez déjà le micro en main et n'hésitez pas. Par là. Merci. Hop, là, bien. Allez-y, levez-vous, dites bonjour. Bonjour. Allez. Moi c'est Nico. Donc une question un peu pour tout le monde. Donc vous avez évoqué lors de l'exoconférence l'impossibilité d'extraterrestres de venir, parce que la vitesse de la lumière, c'est quelque chose de très délicat. Mais je crois qu'il y a quand même René Maquet qui est ici, qui peut vous en témoigner. On a toujours le. Comment dire, l'espoir que ces formes de vie viennent par des trous de verre ou par des étoiles en ce qui concerne Maquet. Voilà, je vous remercie. Les trous de verre. Ah, les trous de verre. Voilà. Donc, voilà, évoquer cette possibilité. Je commence. Attention, prépare-toi. Parce que des fois, on dit sur Internet, Asti, il a pas bossé, il a même pas parlé des trous de verre. Attendez. Deux secondes. On est bien d'accord que les trous de verre, aucun scientifique aujourd'hui n'est capable de vous prouver qu'ils n'existent pas. Aucun n'est capable de vous prouver qu'ils existent. Okay ? Ça s'appelle une spéculation. Il serait possible que quand on ne sait pas ce qu'il y a dans un trou noir, ça puisse éventuellement déboucher sur un trou et qui lui-même débouche sur un éventuel univers parallèle. Qui se trouverait, en plus de ça,
soumis à d'autres conditions physiques qui feraient que le voyage serait plus court. C'est une espèce de métro de notre univers à nous. On le prend par un trou noir, on va plus vite et on sort par un autre trou noir et du coup on a accéléré. Tout ça est de la spéculation ultra-inventive. Personne ne dit que ça n'existe pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez matière à en faire une étude. On ne sait pas assez de choses aujourd'hui sur la matière noire, sur l'énergie noire, sur la nature réelle des trous noirs. Donc ça bien m'arrêtera parce que j'arrive à la limite de mes connaissances. Mais les trous de ver, spécifiquement, personne ne peut vous dire que ça existe. Vous avez parlé d'espoir, je crois que vous avez exactement le bon mot. Vous pouvez avoir l'espoir que les mecs viennent. Moi, je n'ai pas l'espoir que les mecs viennent. Parce que c'est très étonnant d'avoir potentiellement des problèmes avec son voisin sur Terre, de pallier. Moi, ça m'est arrivé d'avoir envie de les égorger, sérieusement. Et de se dire, nous attendons que les mecs arrivent de l'espace. Il y a autant de chances qu'ils viennent nous emmerder, il y a autant de chances qu'ils aient le niveau technologique suffisant pour nous faire exploser en une demi-seconde. C'est très curieux de penser, et là je rejoins ce que dit Xavier, il y a du divin là-dessous, parce qu'on espère des extraterrestres n'ont pas une visite, mais un jugement bienveillant. Et là, on est au-delà des trous de ver. Mais les trous de ver, on ne sait pas. Alors sur les trous de ver, de Thibault, imaginons qu'ils existent. Le fait qu'on puisse passer à travers, sans être un peu bousculé, est quand même encore une autre conjecture. Et si jamais on y arrivait, aussi, ça demanderait, avec la théorie actuelle, une quantité d'énergie absolument hallucinante. Donc, bon, alors c'est vrai que si on demandait aux scientifiques du début du 19e siècle est-ce qu'on peut aller sur la Lune, bon, ils avaient des solutions à base de machines à vapeur ou de canons qui ne sont pas tout à fait celles qu'on a utilisées. Donc, extrapoler de ce qui sera possible dans 3, 4, 5 siècles ou millénaires, bon, il faut rester modeste, hein, on ne sait pas quoi. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le trou de ver, bon, c'est quand même un peu audacieux comme affaire. Sachant que quand on approche d'un trou noir, je crois que la gravitation est tellement plus forte à ses pieds qu'elle ne l'est à ses genoux. Je crois que les pieds sont 500 mètres plus loin que vos genoux, qui sont 200 mètres plus loin que votre... Pardon, et puis la spaghettification. La spaghettification. Donc, pour les persos, j'y vais pas. Non, moi, certes, sans déconner, ça ne te repart, tout ça, ça va, mais là... Il y a deux trucs, moi, que j'irai. D'abord, ça va être un petit peu réducteur ce que je vais dire, mais pour reprendre l'exemple du voisin, dans la tête des gens, il y a aussi une différence, c'est que le voisin de Patrick, c'est un con, alors que l'extraterrestre amène le velcro. Le velcro a été fourni au Men in Black, par l'extraterrestre, etc. Il y a cette idée-là que on sent qu'un petit peu au niveau bon technologique, on n'a pas encore les jetpacks, les voitures volantes, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui nous fourgue un brevet par-ci par-là et qui nous changerait la vie, et qui permettrait de résoudre l'effet de serre, tout ça. Mais c'est ce que dit Neil Tyson. Il dit, la prochaine fois que vous êtes enlevé par des extraterrestres parce que vous allez être étudié médicalement, toutes les histoires d'abduction extraterrestre parlent d'études sur les corps, vous êtes comme ça. Donc Bruce, il fait extraterrestre, donc il fait des trucs, il plante des aiguilles, des machins. Non, je ne plante pas d'aiguilles, je sonde. Enfin, pardon, tu sondes. Donc, pensez-y. Vous faites, regarde là-bas. Et pendant qu'il ne regarde pas, vous piquez un objet dans la poche. Parce que ramener un objet extraterrestre, là par contre, il y a matière à étudier. Vraiment. Là, il y a un truc énorme à faire. Parce que ce sera un matériau qu'on n'aura jamais travaillé comme ça, parce qu'on ne le connaîtra pas. Là, oui. Là, il y a vraiment un truc à faire. Piquer un objet. Et le deuxième truc que je voulais dire aussi, c'est parce qu'il y a les trous de ver, mais il y a aussi tout ce qui peut circuler en ce moment comme théorie sur le warp drive, sur le M drive, sur toutes ces choses qui nous permettront d'aller plus vite que la lumière, enfin, toutes ces choses-là. Bon, assez simplement, scientifiquement, on bosse sur des équations mathématiques. Quand on tord ces équations mathématiques, on arrive à trouver des choses qui sont étonnantes, qui sont marrantes. Ça peut donner les trous noirs, ça peut donner les trous de ver, ou ça peut donner un moteur dont on se dit, tiens, si on utilise un moteur qui passe comme ça, il n'y a rien dans cette équation qui empêche le fait d'aller plus vite que la lumière. Alors, il y a un bond entre dire ça et dire bon. Donc, il nous faut peut-être 100, 150 ans pour y arriver. Donc, il doit y avoir une civilisation quelque part qui a suffisamment d'avance pour l'avoir déjà fait et qui, du coup, est en chemin pour venir le voir. Là, c'est trop loin. On est sur des modèles mathématiques, c'est tout. Donc, on joue avec des maths. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent avec les maths. Oui. Question suivante. Alors, est-ce que le micro... Là-bas, il y a un... Hop, le micro là-bas au fond, au milieu. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien.
J'aurais une petite question un peu plus générale en fait sur le sujet. C'est pour rebondir un petit peu sur l'idée de la condition humaine. Pendant très longtemps, on a imaginé nos ancêtres hominidés comme des grosses brutes en fait, très basiques. On a l'image par exemple du Néandertal en train de tirer sa femme par les cheveux. Et on sait qu'aujourd'hui, petit à petit, ça commence un peu à sortir des esprits. On voit, on met de côté un petit peu cette évolution très linéaire qui conduit vers nous, vers l'être suprême, pour comprendre qu'il s'agit d'un monde avec des évolutions et des mutations différentes. Est-ce que cette idée d'extraterrestre... Je suis désolé, on a un retour qui fait un retour. C'est affreux là-dedans. On va exploser. Entre l'enceinte et Pépère qui a découvert son micro là tout à l'heure, ça va être chaud. Hein. Je vais vérifier, c'est pas mon téléphone, hein, il est. Est-ce que tu peux refaire ta question en 5 mots? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que par rapport à notre évolution, ou avant vous pensiez que nos ancêtres étaient des grosses brutes qui conduisaient vers nous, l'être suprême, est-ce qu'on commence, ça commencerait pas à s'atténuer au niveau de l'extraterrestre? Je pensais très ressemblant à nous par rapport à il y a une vingtaine d'années par exemple. Est-ce qu'on commencerait pas dans la culture populaire à l'imaginer de façon différente? Peut-être plus de même taille que nous, avec une tête, est-ce que ça commencerait pas un peu à sortir des esprits? Vous avez pu voir. Pas sûr d'avoir compris encore, mais j'ai peur d'avoir l'air con si je te demande de répéter. Alors, tu veux dire, est-ce qu'il y aurait une manière dans l'exo d'envisager les extraterrestres sous une forme ringarde, par exemple? Non, c'est pas ça. Non, en fait, rapproche juste ton micro. Alors, on a imaginé pendant très longtemps nos ancêtres comme des grosses brutes, voilà. Maintenant, ça commence un peu à sortir des esprits. On a imaginé pendant très longtemps, comme vous disiez, les extraterrestres comme des créatures de la même taille que nous, avec une même tête, une même morphologie, etc. Est-ce que ça commencerait pas doucement à sortir des esprits, ne serait-ce que dans la dernière décennie, en fait, des différents témoignages que vous avez pu avoir? Si, certainement. Il y a quelque chose qui reste vérifiable encore aujourd'hui, alors qu'en fait, si je ne m'abuse, des 100 ans de la relativité, en tout cas de la théorie de la relativité, non, je dis, c'est 1905, non, j'en sais rien, ça doit être un truc comme ça. Il y a un truc qui reste vérifiable, c'est la vitesse de la lumière et sa limite physique. Évidemment, si on dit c'est parce que nous sommes des ignares et qu'un jour on va réussir à dépasser la vitesse de la lumière, on ne peut pas répondre à ça. Et scientifiquement, on ne peut pas répondre à ce qu'on sera supposé savoir un jour. Mais quelle que soit la forme de vie extraterrestre qui est en train de grouiller quelque part dans l'univers, il y a de grandes chances, au vu de ce qu'on sait aujourd'hui de la nature, du temps et de l'espace, qu'elle ait beaucoup de mal à venir nous rendre visite. Quelle que soit sa nature, et même si cette nature est dépolluée de tout fantasme à antennes, à pinces, et à deux pattes, à trois pattes, et à laser, il se trouve que nous sommes dans un univers où tous les objets s'éloignent de tous les objets depuis 13,7 milliards d'années, et que de plus en plus vite, et ce qui veut dire que nous sommes victimes, à l'époque qu'on vit nous dans l'espace, d'une distance très certainement infranchissable avec nos plus proches voisins. Ça ne change pas la nature de ce qu'on peut imaginer d'eux. Ça change que peut-être, quelle que soit leur nature, il restera très difficile à n'importe quelle civilisation dans l'espace de se croiser avec une autre. Sachant qu'il y a peut-être aussi une théorie qui dit que une civilisation, c'est 10 000 ans. En plus, c'est-à-dire qu'au bout de 10 000 ans, généralement, on se met sur la tronche et il y a beaucoup de chances qu'on disparaisse, nous compris. On n'est pas en train de donner la preuve, en tout cas, qu'on peut aller au-delà. À mon avis, ce sera moins long que ça. Et je ne dis pas ça pour faire le con ou pour être pessimiste, tout ça. Nous n'avons pas l'air d'être une race raisonnable. Nous n'avons pas l'air d'être une race qui se... Non, mais toi, si, mais pas toi. La race, en général, on a toutes les chances de se faire péter. Avant ça, on n'aura même pas le temps d'atteindre le niveau technologique suffisant pour espérer des distances nettement supérieure à celle de maintenant. Un peu supérieure, oui, nettement, je crois pas.
C'est mon ami. Quand on estime les énergies qu'il faudrait, par exemple, pour atteindre un dixième de la vitesse de la lumière, par exemple, par un vaisseau de 100 tonnes, on arrive quand même à des ordres de grandeur qui sont la consommation de l'énergie mondiale en ce moment, vous voyez. Donc, ça commence à compter. Alors, on voit que l'évolution de notre civilisation aujourd'hui, c'est de dire, tiens, merde, peut-être qu'on dépense un peu trop d'énergie, sinon on va flinguer la planète. Alors, rien que ce problème d'énergie risque déjà d'être bloquant, rien que ça. Sans parler des méthodes pour la consommer, hein. Je parle juste à la quantité c'est d'énergie. Hein. C'est pas, on ne va pas trouver une énergie qui en est moins. Peut égaler ces deux, c'est que l'énergie, c'est un équivalent matière partout. Donc une quantité d'énergie, c'est une quantité de matière, et si c'est une planète, c'est une planète. Bon, ça c'est une des petites difficultés des voyages interstellaires. Enfin, la liste est longue, hein, mais je voulais juste en citer une auquel on ne pense pas trop, finalement, souvent. Même si on pouvait l'atteindre à la vitesse de la lumière, c'est vrai que ce qu'il faut mettre dans le moteur, déjà, quel que soit le moteur, hein, même avec l'antimatière et tout, hein, je suppose qu'on a maîtrisé tout ça depuis longtemps, hein, mais rien que pour faire la quantité d'antimatière qu'il faut pour emmener le vaisseau à un dixième, ou voir la vitesse de la lumière, pourquoi pas, allons-y. C'est beaucoup, 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 beaucoup. On a le temps pour une toute dernière question. Alors, vous pouvez passer. Voilà. Mademoiselle, n'hésitez pas à mettre vraiment le micro bien haut dans votre bouche pour qu'on vous entende. Merci. Bonjour, je souhaiterais revenir sur l'exoconférence. Vous critiquez beaucoup la plaque qui a été envoyée dans l'espace avec la fameuse... Oui, je voulais poser cette question moi aussi, merci madame. Je voulais la poser. Qu'est-ce que tu as contre cette plaque? Ce n'est pas la question. Madame, pourquoi poser ces questions? C'est si vous aviez l'opportunité d'envoyer une bouteille à la mer, dans l'espace, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors je vais être très clair, madame. Si j'avais l'opportunité d'envoyer une bouteille à la mer dans l'espace, je ne le ferais pas. Je mangerais un cheeseburger, oignon, cornichon, parce que tout simplement, ma bouteille n'arrivera jamais, 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 jamais. C'est-à-dire qu'on a balancé Pioneer 10 en direction d'Aldébaran, c'est une étoile qui est située à 65 années-lumière de nous. Il y en a à 4,22 années-lumière, une étoile. Okay, il y a Alpha du Centaure qui est là. Non. Attends, tu nous prends pour des charlots. 65 années-lumière, d'accord? Elle sera là-bas dans 2 millions d'années. Donc, nous ne saurons jamais si elle est arrivée. Si quelqu'un l'intercepte, on ne le saura pas. Donc, n'envoyez rien dans l'espace, ça ne sert à rien. Après, Carl Sagan, celui qui a dessiné la plaque, il a fait dessiner par sa femme d'ailleurs. Voilà, une particularité du gars. C'est un grand savant, c'est un magnifique savant. Et il disait lui-même, c'est du prestige ces messages aux extraterrestres. Nous savons que ça n'est pas fait pour marcher. Nous savons que c'est beau d'envoyer un message qui essaye de parler de nous. On est bien d'accord que si un grand scientifique terrien reçoit la plaque, il ne la comprend pas. Dans sa boîte, on lui met, tiens, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Il ne comprend rien. Les pulsars, les machins, le spin d'hydrogène, c'est beaucoup trop complexe. En fait, je crois que c'est pas fait pour être compris. C'est fait pour faire rêver. Et là, par contre, ça peut marcher. Il n'y a pas eu que celui-là. Il y a eu le message d'Harry Simon, il y a eu... Voyager, ils ont envoyé, accrochez-vous à votre slibard, ils ont envoyé un disque avec le diamant micro-sillon dedans à part. C'est-à-dire que les mecs doivent recevoir la machine, ils doivent monter la bécane avec le truc et ils doivent la faire tourner à une vitesse qui est un multiple du spin de l'atome d'hydrogène. Mais oui, mon gars, mais bien sûr. Tu l'as écouté, le machin qui nous a envoyé? C'est vachement sympa. Non, on déconne complet. Ça ne marche pas du tout, mais je vais vous dire, c'est pas grave, ça n'est juste pas fait pour marcher. Ça m'énerve, pardon, mais c'est pas grave. Ben, ça fait penser, en tout cas. Eh bien, il nous reste à remercier nos invités, l'équipe de l'organisation, Bruce Bellman, et son livre, prenez le temps d'y penser, et bien sûr, notre invité spécial du TGS, M. Alexandre Astier.